Je ne peux pas te laisser sortir, Edwige. Je n'ai pas le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Et puis, si oncle Vernon... Voilà, tu as réussi. Il est là. Vernon ? Je te préviens, si tu ne fais pas taire ce maudit oiseau, il faudra qu'il parte. Mais elle s'ennuie à mourir. Si je pouvais la laisser sortir, ne serait-ce qu'une heure ou deux. C'est ça, pour que tu envoies des messages secrets à tes amis bizarres. Non, monsieur. Mais je n'ai reçu aucun message d'aucun de mes amis. Pas un. De tout l'été. Qui voudrait être ami avec toi? J'aurais espéré un peu plus de gratitude. Nous t'avons élevé depuis le berceau, nous t'avons nourri à notre propre table, nous t'avons même donné la seconde chambre de Dudley, uniquement parce que nous avons bon cœur. Pas maintenant, mon ange, c'est pour quand les Mason arriveront. Ce qui ne devrait plus tarder maintenant. Bien, revoyons notre programme encore une fois. Pétunia, quand les Mason arriveront, tu seras... Dans le salon, prête à les accueillir avec la distinction qui s'impose. Très bien. Et Dudley, tu seras... J'attendrai près de la porte pour leur ouvrir. Excellent. Et toi? Je resterai dans ma chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Exactement. Avec un peu de chance, je vais conclure aujourd'hui la plus belle affaire de ma carrière. Et il n'est pas question que tu viennes tout gâcher. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur. Dobby, l'elfe de maison. Je ne veux pas paraître grossier, mais ce n'est pas le moment idéal pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Oh oui, monsieur Dobby le sait bien. Dobby est venu vous dire de... Oh, c'est difficile, monsieur. Dobby ne sait par où commencer. Vous ne voulez pas vous asseoir? M'asseoir? M'asseoir? Dobby, chut! Pardon, je ne voulais pas vous offenser, je vous assure. Offenser, Dobby? Dobby connaît votre grandeur, monsieur, mais jamais encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir, comme s'il était son égal. Oh, vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables, alors? Non, en effet. C'est très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby! Arrêtez, Dobby! Dobby! Dobby, chut! Arrêtez, s'il vous plaît! Oh, ne faites pas attention, c'est le chat. Arrêtez! Ça suffit, Dobby, ne faites pas de bruit! Ça va, Dobby? Il fallait que Dobby se punisse, monsieur. Dobby a failli dire du mal de sa famille, monsieur. De votre famille? La famille de sorciers que Dobby sert. Dobby doit servir à tout jamais la même famille. Si jamais ils apprenaient que Dobby est venu ici... Mais il fallait que Dobby vienne. Dobby doit protéger Harry Potter, le mettre en garde. Harry Potter ne doit surtout pas retourner cette année à Poudlard, l'école des sorciers. Il y a un complot qui provoquera des événements terrifiants. Quels événements terrifiants? Et qui fait partie du complot? Je peux pas dire. T'as problème. D'accord, je comprends. Vous ne pouvez rien dire. Ne forcez pas. Dobby? Dobby, posez cette lampe, voyons! Alors, quand ils arrivent au 9e trou... Donnez-moi cette lampe! Non! Dobby, ça suffit! Entrez là-dedans et taisez-vous! Mais nom d'un chien, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? J'étais en train... Tu as gâché la chute de ma blague sur le golfeur japonais. Pardon. Et encore un bruit, et tu regretteras d'être venu au monde, mon garçon. Et arrange cette porte! Oui, monsieur. Vous voyez pourquoi je dois y retourner? Je suis pas à ma place ici, j'appartiens à votre monde, à Poudlard. C'est le seul endroit où j'ai des amis. Harry Potter a des amis qui n'écrivent jamais. Oh, je suppose qu'ils n'ont pas
Attendez, comment savez-vous que mes amis ne m'ont pas écrit? Harry Potter ne doit pas être en colère contre Dobby. Dobby espérait que si Harry Potter pensait que ses amis l'avaient oublié, Harry Potter ne voudrait peut-être plus retourner à l'école. Dobby, donnez-moi ça. Tout de suite. Non! Doit promettre qu'il ne retournera pas à l'école. Mais c'est impossible, c'est chez moi, Poudlard. Dans ce cas, Dobby doit le faire, monsieur, pour le bien de Harry Potter. Et il y avait de l'eau absolument partout. Tout l'immeuble était inondé. Il y en a beaucoup comme ça. Et l'un des plombiers dit, regarde-moi toute cette eau. Et l'autre plombier répond, oui, et on ne voit plus que la surface. Oh, je suis vraiment navré. C'est mon neveu, il est très perturbé. Oh, ça le rend nerveux de voir des inconnus. C'est pourquoi je l'avais laissé dans sa chambre.